Bonjour, donc en fait je suis là pour les Colibris. Il y a un groupe local qui est né à Genève il y a quelques mois. Et les Colibris, c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années et qui touche à tous les domaines de la transition citoyenne en fait, que ce soit l'habitat, l'énergie, l'éducation. En fait, le nom de Colibri vient de la légende amérindienne du Colibri qui dit qu'un jour il y avait un incendie dans la forêt et tous les animaux fuient l'incendie. Et tout d'un coup, dans cette course folle, il y a le tatou qui aperçoit le petit colibri qui est là et qui est en train de prendre une goutte d'eau dans le lac et la poser sur l'incendie. Et le tatou l'arrête et lui dit « Mais colibri, tu ne vas jamais atteindre le feu avec tes gouttes d'eau. » Et le colibri, très fièrement, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà, colibri, c'est ça, c'est faire sa part, essayer de faire sa part, d'agir sur notre territoire, là où on est. Et du coup, un groupe Colibri, c'est un groupe qui va proposer par exemple des disco-soupes. Une disco-soupe, c'est faire une soupe avec des légumes qui ont été récupérés dans des invendus, en fait, de marchés, de différents marchés. On peut faire des campagnes de sensibilisation au sur-emballage, par exemple, devant les magasins. On peut organiser des repair cafés où les gens viennent pour, avec des objets qui ne fonctionnent plus pour essayer de les réparer au lieu de les jeter, éviter en fait une consommation, éviter trop de consommation, et puis aussi organiser des gratiférias, etc. Donc voilà, moi je vous appelle tous à venir nous rejoindre sur notre page Facebook parce que nous, pour l'instant on est tellement nouveau qu'on n'a pas de site internet, mais ça va venir. Appel à celui qui voudrait créer le site internet, d'ailleurs des Colibris, pourquoi pas. Et en fait, voilà, donc on est là sur la plaine de Plainpalais aujourd'hui pour Alternatiba. Donc on a une page Facebook pour l'instant, Colibri Genève, et on organise des réunions publiques en gros tous les mois, et où des différents projets naissent, de jardins partagés, de gratiféria, différentes choses comme ça, voilà. Donc venez, faire votre part.